va n'importe où. Attends, je... Attends. On est de retour au bord de la mer. Derrière nous, on a l'Égypte, c'est le golfe d'Aqaba. Et de l'autre côté, là-bas, il y a l'Israël et la Jordanie. On est passé hier au bord de la frontière jordanienne. On a longtemps hésité à passer la frontière et puis aller visiter un petit moment. Mais pour finir, on a d'autres plans en Arabie Saoudite. Donc on a pris la décision de ne pas passer la frontière et puis de continuer notre chemin en Arabie Saoudite. Là, on est dans la région de ce qu'ils appellent maintenant Neom. C'est ici qu'il y a tous les gros projets que vous avez sûrement entendu parler. The Line, la station de ski. C'est ici qu'il y aura aussi les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques en 2029. Derrière la caméra, là, il y a des grosses montagnes. Et c'est là-bas qu'il y a aussi la station de ski. Donc on est passé hier, on était à quelques kilomètres de la station de ski. Mais il n'y a encore rien qui est construit. Du coup, on n'avait pas à vous faire une petite visite. Et là, un peu plus loin sur la plage, il y a le site de construction de The Line. Donc on va aller faire un petit tour dans la région et voir les paysages avant qu'ils soient totalement modifiés par ces projets. On est exactement où The Line va rejoindre la mer. Vous pouvez voir l'eau, elle est turquoise, elle est magnifique. C'est un lagon juste à côté avec une eau magnifique, des coraux. C'est un spot qui est splendide. Juste derrière la caméra là, il y a les travaux. On ne pensait pas pouvoir accéder vraiment aussi près des travaux. Et là, il y a un petit yacht club. Enfin, il faut s'imaginer que ce sera le yacht club par ici et que la ligne, elle est juste à derrière. Donc là on est juste à côté de The Line, c'est juste à quelques kilomètres. Puis on cherchait un endroit pour dormir. Et on est tombé sur une épave d'un hydravion. Dans les années 50, la vie était belle pour Thomas Kendall, un jeune businessman à la retraite. Il partit faire le tour du monde avec sa famille et un hydravion de la Seconde Guerre mondiale qu'il avait modifié en avant privé de luxe. En mars 1960, Thomas Kendall et sa famille quittèrent Luxor afin de rejoindre la rivière Euphrase vers Bagdad. Ils décidèrent de s'arrêter en Arabie Saoudite, mais sans aucune permission du pays pour s'y poser. Au petit matin, la famille se fit réveiller par des coups de feu. Il y a plus de 300 impacts de balles sur l'avion. En tentant de fuir, Thomas Kendall s'écrasa avec son hydravion sur des récifs et se fit embarquer jusqu'à Jeddah pour être ensuite renvoyé aux USA, lui et toute sa famille. Après l'épave de l'avion, on a cherché un endroit où dormir. On a essayé d'accéder à des petites îles en 4x4, mais les gardes-côtes nous ont dit qu'on ne pouvait pas dormir sur ces petites îles. Du coup, on a continué le chemin sur la côte et on a trouvé des presqu'îles sur Google Maps qui avaient l'air incroyables, rien que pour aller faire un petit plouf et du snorkeling. Mais arrivé sur place, on a découvert que c'était un méga projet en construction, donc rempli de travaux. Ça s'appelle Sindala Project.
Et du coup, bah, on a rebroussé le chemin pour continuer un peu sur la côte, se chercher un endroit. Et la troisième fois était la bonne. On est sur une petite presqu'île, là. Et ce matin, bah, on s'est fait réveiller tranquillement. Et il y a des petits pêcheurs, hein, son papa et son fils, qui étaient à côté de nous. Du coup, ils nous ont invités à prendre le thé. On a déjeuné avec des petits biscuits avec eux. Et là, on va plier la tente pour continuer à parcourir la côte jusqu'à Neom et puis voir les autres projets saoudiens. On est parti de notre campement là ce matin. On a croisé plein d'expats qui faisaient du kite. Il y avait les gardes-côtes qui venaient dire que c'était interdit, mais vu qu'ils étaient 30 ou 40, ils se sont battés un peu les steaks. Et puis là, du coup, on essaye de prendre la direction de Neom, mais on est bloqué par The Line quoi. Il y a des barrières de partout, donc on est entre la mer et The Line. Et on n'arrive pas à trouver une sortie. Du coup, on fait un peu du off-road là, le temps qu'on trouve une sortie, puisqu'on peut pas retourner à la route parce que bah, y a le projet de The Line, vu que c'est une grande ligne qui traverse la côte et tout, bah, il n'y a pas vraiment d'accès à la route. Du coup, là, on suit la route et le but c'est d'aller jusqu'à la ville principale de Neom. Tous les expats là, ils ont dit qu'ils venaient de Neom, du coup, on va aller voir ça. La dernière fois qu'on était bloqué par des barrières, c'était le Red Sea Project, qui est un autre méga projet qui est un peu plus au sud. On a croisé des gens à Lula qui bossaient et ils ont dit que normalement ça devrait s'ouvrir au mois de mars. Les premiers complexes, quand on y était, c'était pas encore trop construit en fait. Il y avait rien pour l'instant. Et ils vont mettre un hôtel qui est. C'est une sorte de grosse boule en métal. Ce sera 30 000 dollars la nuit. Donc, c'est pas pour toutes les bourses. Hein. Non. On n'est pas prêt d'aller dormir au Red Sea Project. Hein. Bon, alors là, on va n'importe où. Attends. T'as une ouverture là-bas. On a trouvé un trou dans The Line. On va aller dans The Line là. Dans les travaux. Hop. Nous essayons de prendre la direction de la route principale, mais impossible. Les travaux de The Line nous bloquent l'accès sur toute la longueur. Nous allons demander à la sécurité s'il est possible de rejoindre une route, mais ils nous disent de faire tout le tour par la plage. Nous avons uniquement le choix de longer The Line afin de trouver une issue. Impossible de faire des repérages sur les images satellites, les travaux n'apparaissent même pas encore. Le début des constructions s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Nous avons jamais vu autant d'engins de chantier au même endroit. C'est dingue, cet endroit est en train d'être changé à jamais. Voilà, on a traversé toute la région de Neom, c'est vraiment énorme.
On est très content d'avoir pu voir le début de la construction de The Line. C'est vraiment une région complètement en chantier. Donc même la ville de Neom en elle-même, il y a quelques trucs ouverts, mais tu vois des camions partout, des bouts de terre partout, des panneaux de chantier partout. C'est vraiment en construction, quoi. La partie qu'on a vue de The Line, c'est la partie qui est vraiment au bord de la mer Rouge. Il y a, je pense, entre 30 et 50 km qui sont en train d'être construits. Et après, la ligne complète, elle va faire 170 km. Et donc là, on a traversé un peu la trajectoire qu'elle va prendre. Ça passe dans des grandes montagnes. Donc la partie est au bord de la mer, ça va être beaucoup plus facile à construire. Et après, ils vont s'embarquer dans ces constructions parce qu'ils doivent vraiment passer à travers des montagnes. Et la fin de The Line, elle va se finir juste derrière nous. Donc là, on est en dessous de Tabouk et c'est une région qui est désertique avec des rochers qui sont magnifiques. Tu peux aller voir notre dernière vidéo, on traverse toute la région dans le désert. Et donc c'est là qu'ils vont finir The Line si les premiers kilomètres se passent bien. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. On a encore quelques semaines en Arabie Saoudite et après on s'attaque au prochain pays.